dans la communication du Premier ministre, il s'est étonné de voir les acteurs des forces vives appelés à de nouvelles journées de manifestation, alors que quand ils se sont séparés, le Premier ministre attendait quand même d'avoir un retour. Ils s'étaient engagés de se revoir dans 10 jours, à l'issue desquels ils allaient examiner, au cours desquels ils vont examiner les points qui ont été soulevés par les forces vives, au grand étonnement du Premier ministre et des membres du gouvernement. Les forces vives ont annoncé le retrait du dialogue et ont annoncé une série de manifestations. En tout état de cause, le Premier ministre reste à l'écoute des forces vives et maintient sa main tendue pour un dialogue assez important et fraternel pour faire en sorte que les Guinéens puissent discuter des problèmes, quels qu'ils soient, autour de la table de négociation. Et donc la main tendue du gouvernement et du Premier ministre reste maintenue. Et il a promis de prendre contact avec les différents acteurs dès cet après-midi pour voir dans quelle mesure le dialogue va se poursuivre pour permettre un aboutissement de ces discussions.